C'est la chance de 18 ans comme on dit. Oh putain. Je vais partir, je vais me mettre à pleurer quoi. Bon, donc tu veux gratter ici? Ouais, je suis allé la dernière fois, je trouvais pas mal de petits trucs. Ok, d'accord. Bah, moi j'en ai fait vraiment beaucoup ici. Ah, c'est déjà vu? Ah oui. Tous les champs, toutes les vignes. Là-bas, c'est un confrère à moi, il est paysagiste, le propriétaire. Et j'ai l'autorisation. Donc pas de problème. Ok, on sort le matos, on y va. Allez, c'est parti. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Ouais. Il veut m'emmener dans un endroit où j'ai déjà détecté. Il est déjà venu et il me dit qu'il y a fait de la monnaie. Donc aujourd'hui, sortie détection avec l'ONCO. Là, c'est pas le caméraman, c'est le détectoriste. C'est parti? C'est parti. On se part là-bas? Tiens, viens Marina, j'ai un son. Je sais pas si on entend bien. Mais ça, je creuse. Hein. C'est sorti. Ouais, une bonne merde. Pochette à merdouille. Ouais, c'est une grosse merde. Viens, moi. Tu restes avec moi, là. Il faut que tu balayes un peu plus et un peu plus bas. Voilà. Oh, ouais, plus bas, début. Voilà. C'est les bras, hein. Ouais, il est lourd, celui-là. Un peu plus bas encore. Ben, creuse. Tu poses ton détecteur, tu creuses avec ta pioche. Elle est perdue là, c'est bon. Je la pose par terre. Ouais. Tain, c'est la première fille que j'initie à la détection de métaux. Hein. Fais gaffe, hein, ça peut pas abîmer une pièce au cas où. Là, tu prends dans la main les mottes de terre et tu passes derrière le disque. C'est tes bijoux qui sonnent, Marina. Attends, je vais l'aider. Va l'aider, Lolo. Ça allait sonner là? Ouais. Tu veux mon pro pointeur? Ouais, ce serait plus facile peut-être. Ah. Là. C'est ça? Quoi? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Attends. Ouais. C'est une petite pièce. Attends, parce que... Putain, une belle trouvaille quand même. Et toi, ouais, Marina, une petite pièce. Fais voir, je vais la déterminer. Un double tournoi. Elle a cramé, mais elle est jolie quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est une pièce quand même. C'est ta toute première pièce. Chance du débutant. Elle est à toi. Ah, Lolo? Ouais. Ta copine, elle a trouvé une monnaie. Tu vas pas nous, hein, ouais, tu vas pas nous la looser là, nous la jouer à la loose. Et moi, je suis caméraman. Aujourd'hui, ouais, t'es caméraman. Aujourd'hui, c'est moi. C'est fou, hein. Initiation. C'est cool, j'aime bien. Ah, là, j'ai un bon son, par contre. C'est pas un bruit de canette. C'est pas un bruit de canette. Je sais pas. Essayez d'entendre avec la vidéo. Ah. Ah ouais. Là, je creuse, moi. Ouais. Là, faut creuser. Là. Ah bah regardez, juste là, dans la motte. Ah c'est bon, je sais ce que c'est. C'est une pièce chinoise, non? Avec non, un non, c'est une monnaie française avec un trou dedans. C'est une Lindauer. Attends, est-ce qu'il y a de la merde au milieu? Et voilà. Une Lindauer? T'arrives à la reconnaître quand même? C'est les pièces françaises trouées. Et voilà. Putain, cool. Bon voilà, hey. C'est bon, je t'ai battu. Hein. Non, ouais, un cadenas et une Lindo cramée. Ah ouais, joli, pas mal. Bon, ben cool, je t'avais dit qu'on avait trouvé pas mal de monnaie dans le coin. Bon, maintenant, on a trouvé quand même beaucoup de choses, parce que toi, t'as trouvé quoi? Mais j'ai pas de détecteur, cogno. Et ben, du coup, je vais te filmer. Ah d'accord. Donc, tiens, je te passe l'XP Deus, je te le prête. Pardon. Ah, tu me prêtes mon Deus, d'accord. Ok, ouais, c'est un caillou de... Ouais, c'est ça, c'est un caillou de fer. Bon, regardez, il est juste là-bas, là. J'ai préparé une petite boîte. Je les ai peints une par une en or. Et je voulais aller le pranker ici, en fait. On va aller derrière la maison, là-bas. Allez, suivez-moi.
Bon, regardez, il est juste là-bas, là, il nous a pas capté. Bon, on va le cacher quand même à un endroit stratégique. Bon, c'est un peu quand même comme ça, avec plein d'herbes, mais on va essayer juste ici. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'herbes. Regardez, il y a de la poterie roumaine. Bon, c'est pas de la poterie roumaine, hein, bien sûr. C'est un truc pour monter les murs, comme cette maison de merde, là. On la met de côté. Et bien, c'est parfait, on va utiliser ça pour cacher les pièces en or. Ouais, c'est parti. Parfait, on va cacher ça à l'intérieur. On va remettre un peu de terre. C'est parti. Le prank commence. Deux boîtes. Regardez. J'avais peint plein de petites pièces en or, une par une à la bombe. Ah, ça sent encore la peinture. Bon, voilà. On va cacher quelques monnaies dans un des trous. Juste enlever l'herbe. On va s'en cacher une ou deux. Une ou deux. Mieux plus que ça, quand même. Il va tomber dans le panneau, c'est obligé. Bon voilà, j'en ai mis pas mal. On va recacher un peu là. Il a goûté. Venez voir. Regardez tout ce qu'il y a. Et j'en ai caché plein à l'intérieur de là-dedans. Ça peut être crédible quand même. Je vais mettre la boîte juste ici. On va remettre un peu de terre. On va mettre un peu de terre. Il faut bien le mélanger à la terre. Bon, venez voir. Je sais pas si ça paraît bien, mais bon, voilà. On va remettre un peu de ça. Voilà. Bon, là, c'est bien camouflé. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est parti. Attends, je vais remettre le casque. Viens voir, vite! Oh, faut ça, comédie à fond. Viens voir! Ah, j'ai trouvé un truc de malade! J'ai trouvé une trouvaille de fou, il met 10 ans à arriver, quoi. Là, derrière la maison! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, viens voir. T'es rentré par où? Par là, là. Quoi? Alors, viens prendre ton détecteur, là. Allez, tu vas pas encore tes yeux. Il y en a au moins une trentaine de pièces. Non. Si, viens voir. Regarde, juste passe ton détecteur là-dedans, là. C'est donc un truc de fou. Et ben là, tu passes ton détecteur là-dedans. Là. Oh, ouais, ta bague. Ouais, et ben je pense qu'à l'intérieur il y en a. Donc faudrait peut-être casser ça. Et là, juste regarde juste en dessous. Vas-y, passe ton détecteur.
Et donc t'as creusé, t'as trouvé quoi? Bah vas-y, je te laisse faire. Regarde, juste là. Regarde. Tu vois pas les pièces à l'intérieur là? Non! Vas-y, fais voir. Elles sont toutes coincées là. Et j'arrivais pas à les enlever. Oh, putain, j'ai pas mon tournevis. Regardez tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. T'es pas sérieux? Et t'en as plein en dessous là. Oh putain! Donne-moi ça. Il va casser le truc. Oh! Tout ce qu'il y a là, c'est un truc de malade. Non! Putain, c'est toi qui as trouvé ça? Tu sais que je suis déjà venu ici et j'ai jamais trouvé ça. Mais je pensais pas avec toutes les herbes qu'il y avait et là. Oh, enculé! Putain, on va faire quoi de tout ça? Mais regarde, il y en a encore plein. Oh, c'est cool. C'est qu'on dirait des monnaies en or? Ben, je sais pas, hein. Elles ressemblent. Oh, putain! Elles sont lourdes. Hein. Oh là là, ça sonne encore. Oh là 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 là. C'est une des meilleures trouvailles quand même. Ben, moi j'en ai déjà trouvé. Oh là 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 là. C'est la chance du débutant. Putain, il y en a partout. Oh, regarde ça. Il prend les tours. Oh là là là. Ah, bien, t'en as perdu même une là. Il y en a jusque là quoi. Putain, 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 putain. Oh là 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 là. Après, je sais pas quelles sont les pièces, hein. Ah bah, tu sais quoi, on ramasse et on regarde après, hein. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Ça fait un moment qu'elles sont là, non? Putain, j'arrive même pas à les attraper tellement je tremble. Oh là 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 là. Putain, eh, y en a partout. Lâche un pouce bleu si tu aimes. Oh, eh, je sais pas comment on va faire pour être sûr qu'on en a pas paumé, hein. Bah, je sais pas, là, y en a quand même pas mal, hein. Viens voir. Regarde tout ce qu'il y a là. Oh regarde, il y en a encore là. Il y en a une trentaine. Putain de merde. En plus j'ai pas mes lunettes, j'y vois rien du tout. Ah, ça, ah bah tiens. Non ça c'est pas. Une capsule. Mais dans la brique là? Bah ouais, elles étaient coincées dans la brique, donc avec le temps je pense. Oh putain, il y en a encore. Non. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, c'est quand même un truc de fou quand même. Ah ouais, mais on fait quoi avec un truc comme ça? Putain, moi ça me fait flipper ça, tu le sais ça? Ouais, bah ouais. Mais elles sont en or à ton avis? Ben, ça a l'air, j'ai pas mes lunettes, mais ça a l'air. Putain, je sais pas quoi faire. Tu sais quoi, il faut un tractopelle là. T'imagines? Ah mais attends, ça doit être ça qui sonne. Là, c'était la pioche. Mais ça sonne encore. Ah ouais, ça sonne encore, hein. Je crois qu'il y en a plus, là. Hein. Bah quand même. Putain! Eh, c'est un truc de fou, quoi. Ça l'étonne quand même, le détecteur il est allé profond quand même, hein, avec la... Oh, oh tu vois, regarde. Il y en a encore, je suis sûr qu'il y en a encore. Tiens, regarde. C'est quoi? Encore une. Oh là 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 là, tout ce qu'on a trouvé. C'est le jackpot. Non mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, Lolo, c'est toi, hein. Oui. C'est la chance de 18 ans, comme on dit. Moi, j'ai débuté, j'en ai fait, mais pas autant que ça. Faut que j'aille chercher mes lunettes. T'imagines, ça sonne encore, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, dans cette vieille baraque, tu sais que je suis venu détecter je sais pas combien de fois ici, là. Ouais, elle est vieille, hein. Non? Ah, ouais. Bon, allez, on les lit ou quoi? Bon, Chris? Quoi? C'était un prank. De quoi? Enfin, regarde les pièces. C'est des francs. Mais non. Regarde, correctement. Genre, remets-toi avec la lumière. Non, mais je vois rien, là. Je vois trouble, donc... Le vieux a besoin de ses lunettes. Mets un gros pouce bleu si tu veux lui acheter des lunettes. Tu vois mieux ou pas? Regarde, c'est un 5 francs, ça. Non. Regarde. Je suis emmerdé à les peindre pendant toute une après-midi.
C'était pas sérieux, tu t'as pas fait ça? Ah si. Tu m'as fait croire à un trésor? Mon prank il marche. C'est des fausses. Bah, tu vois rien. Fausses. Là, t'as regardé. Et regarde, on dirait des vrais. Oh. T'as 50 francs. Regarde, là tu vois bien 50 francs avec le coq. Là, là. 50 francs coq. Putain, tu t'es fait chier à les peindre et à me faire croire absolument au trésor. C'est pour ça que tu m'as emmené ici. Mais oui, la dernière fois j'avais détecté, je fais attends, faut que je fasse un coup ici parce qu'il y a que de la merde ici. Je suis au taquet, mon pauvre. C'est un sang, il y a que de la merde. Je me demandais comment j'allais annoncer ça à ta mère, comment j'allais annoncer ça sur YouTube aux gens ou la vidéo quoi. Et c'est des fausses. Bah c'est des fausses. Bah, t'es vraiment qu'un connard quand même. Et putain, je te jure, j'y ai cru. Et ça, mais j'allais dire, ça sonne encore. Mais ah oui, bah, ça peut sonner encore là. Ça sert à rien. Putain, là, je suis. Ouais, pas mal la cachette quand même dans le truc. Hein. C'était compris. Bah, tu m'as bien niqué là. Ouais, c'est un méga prank. Là, je me suis fait baiser, mais grave. J'en tremble encore. C'est con, parce qu'il faut que je m'arrête là. Putain, je suis déçu. Ouais, du coup, c'est même pas un trésor quoi. Ah bah non. Putain, hey, j'ai couru pour venir et tout. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Putain, tu t'es fait chier, quoi. Oh, tu vas à Castorama, hein. 3 euros la bombe. Ah, il est joli. Franchement, il est joli et bon, c'est pour ça que tu voulais qu'on détecte aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais pourquoi pas faire un prank à un de ses potes, genre Arnaud en détection? Ah, putain. Réutiliser ça. Et tu sais que j'avais jamais pensé, mais là, je me suis fait pranker, grave. On dirait de l'or. Et en plus, t'as joué sur le fait que j'ai pas mes lunettes et tout, quoi. Putain. Bon, eh, quand même, sincèrement, les good vibes, elles y étaient à fond, là. Hein. Regarde, t'imagines tout ça en or dans ta main, quoi? Ça m'est jamais arrivé de ma vie, oh. On a un truc qui date. Non, mais comment t'as fait pour mettre ça dans la brique et tout, quoi? Bah, je me suis emmerdé à vider avec mon doigt, regarde l'état de mes doigts, là. Regarde. Ah ouais, grave. Je me suis emmerdé à creuser. Ah, mais tu sais quoi, même si c'est un faux, j'ai même pas envie de le laisser, quoi. Ah bah, oui. C'est quand même des francs, hein. Ça date de l'époque quand même. Ouais, mais c'est des vrais. Tu me les as niqués du coup, les pièces? Oui, dans ta petite boîte. T'as niqué mes pièces? Ouais, bon, écoute, hein, c'est pas grave, j'apprécie ton geste quand même parce que tu m'as fait vibrer là quand même. Regardez ça! C'est énorme! Ouais, c'est un truc de débile. Si j'avais eu ça vraiment dans mes. Oh, je suis déçu. Je vais partir, je vais me mettre à pleurer, quoi. Bon, écoute, bravo. Voilà, mon prank a marché. Bon, le prank a bien marché. On continue un peu à détecter et. Ouais. Ouais, bah là, du coup, tout ce qu'on va sortir de terre, ouais, ça va être mieux que ça, ouais, quoi. Même un boulon, ce sera mieux. Ouais, écoute, regarde. Dans ta pochette. Ah ouais. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. T'en as mis combien dedans? Une trentaine, hein, je crois. Hein. Oh là là, si c'était des vrais, con. Ah. Mais même si c'est une fausse, hein, elle sonnait encore, quand même. Ah. Tant bien, il y a des vrais dedans. Ouais. Bon, ma première, deuxième trouvaille. Ouais, pour le prank, il a vraiment, vraiment bien œuvré. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne, parce que là, sincèrement, moi, j'y ai vraiment, vraiment cru. Mais allez visiter la chaîne de Lowenco, chaîne de gaming. Moi, j'adore, je vais regarder toutes ses vidéos, c'est vraiment sympa. Et c'est la dernière fois que tu me fais ça. Ouais. On est d'accord? On prépare ça pour un pote à lui. Ouais, on prépare ça pour un pote, ou voilà, on va préparer un prank pour quelqu'un, parce que je trouve l'idée super sympa. Et nous, on se revoit sur un autre projet. À bientôt. Ciao.